شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les autres responsabilités qui me donnent en tant que parent, c'est protéger mes bons enfants contre les fitna. Fitna, c'est quoi? C'est les trials qu'ils visaient faire face de la vie quotidienne. Maintenant, moi, comment me protéger mes bons enfants si moi-même ne suis pas au courant? Il est important pour nous, les parents, de ne pas adopter une politique d'autruche. Nous croyons que ces bons affaires qui ne nous pas au courant, là, veut dire qu'elles ne peuvent pas exister. Nous devons informer nous les bons fitna qui existent. Par exemple, LGBT, l'homosexualité, ben tendance avec la drogue, ban social media, TikTok, qui peut dérouler l'eau là. Deuxième petite chose qui est important de protéger nos enfants et qui devient une tendance, aujourd'hui, c'est vulgarité. Ban zénés trouli important pour servir ban langage obscène entre eux. Maintenant, comment m'obliger faire? C'est m'obliger faire nos enfants au courant que l'obscénité c'est une affaire qui Allah pas content. Donc, est-ce qu'ils m'obligent au courant? Qui sont là qui vos enfants fréquentent? Nous sommes réalistes aujourd'hui qui longtemps nous sommes capables de veiller nos enfants parce qu'ils nous connaissent. Qui sont là qui viennent la case et dans qui la case qui l'il y allait, qui l'y fréquentait? Aujourd'hui, fréquentation l'a fait online. Est-ce qu'ils sont au courant? Qui sont là qui l'y fréquentait? Qui qualité langage, qui l'y peut servir? Donc, mon observation, mon regard là, important. Autre chose, c'est tellement une quitteuse qui nous bat nos enfants peut faire face, tellement une fitna qui l'y peut faire face. Lila est belle pour faire rire. Pour bien et na rire. Moi, en tant que parent, comment je gère sa ban rire? Est-ce qu'il me agit comme un oppresseur? Est-ce qu'il me dit sanctionner? Me prend ban grande mesure? Parce que souvent, ban sanction qu'il nous peut donner, il n'est pas match avec rire qu'il peut faire. Et nous avons l'exemple qui nous est là, c'est tout rire qu'ils enfants font aujourd'hui, nous blâme pas au table. Il n'est pas passé l'examen pour au table, pas bon. Les causes briques potables, pas bon. Les tordes pour venir manger, problème là avec potable. Mais nous bisons connaître qui sanction qui nous donnait, dans, qui associe avec qui et rien. Autre chose, pour nous capables sanctionner nos enfants, il ne faudrait pas, comme on dit, nous venir oppresser qui nous peut punir les enfants l'insis. Nous bisons venir sa parent qui est un facilitateur et qui accepte que nos enfants pas parfaits. Maintenant, ça pour permettre de reconnaître ce et rien et corrige et rien là. Pas non plus, moi j'ai sanctionné pour qu'il m'enseigne lui, au contraire, qu'il ait besoin de prendre cause menti, plus bien pour next time, moi pas trappé. Donc, moi en tant que parent, qui me rende mes enfants sur la vie un peu plus facile pour les capables de protéger les contre ban fitna. Et l'autre façon de le faire, c'est me développer ce self-confidence. Me permettre de vivre des enfants qui sont assertifs, qui les connaissent, qu'est-ce que ça besoin de nous et or, qui sont là qui besoin de nous. En étant un role model moi-même, moi aussi, je suis connu qui a fait qui m'a refusé. Et je suis capable de discuter avec mes enfants de ces problèmes qu'il peut faire face là. Donc, moi, je suis au courant, pareil comme Imam Ali, radiallahu an, il dit, nous pas besoin de grandir nos enfants pour une époque qui nous ne pas connaît. Nous besoin grandir pour les vivre dans l'époque d'un seul temps. Donc, qui nous au courant de ce qui peut passer et qui nous installe dans nos enfants pour les protéger. L'amour d'Allah, l'amour de nos rasouls sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de sa famille, l'amour de Coran. Pour les connaître, qu'il y fait une bonne action pour Allah et les évite mauvaise action pour Allah. والحمد لله رب العالمين.